Alors, petit actu sur automobile propre, la production d'Auditron est à l'arrêt, rien à voir avec le coronavirus. Bon, c'est bien de le préciser quand même. L'usine Audi de Bruxelles, où sont produits l'e-tron et l'e-tron Sportback, est totalement à l'arrêt depuis ce jeudi. En cause, une rupture d'approvisionnement de certains composants. Mais si on parle pas de l'usine, l'épidémie du coronavirus n'en serait pas responsable. On savait depuis janvier que la production des premiers modèles électriques de la marque Osano était ralentie par une pénurie de cellules. Bien que les batteries de l'e-tron soient assemblées dans l'usine de Bruxelles, leurs cellules sont en effet fournies par le coréen LG Chem, qui semble éprouver des difficultés à les livrer au rythme souhaité par le constructeur allemand. Mais alors que depuis janvier la cadence de production avait été réduite, nous avons appris aujourd'hui que l'usine est totalement à l'arrêt depuis ce jeudi pour une durée d'au moins 5 jours, les travailleurs étant mis au chômage économique. Selon le quotidien belge L'Écho, il semble désormais que d'autres pièces viennent aussi à manquer, comme les feux arrière et les pare-soleil. Certains médias font le rapprochement entre cette rupture d'approvisionnement et la crise du coronavirus qui a provoqué la fermeture de nombreuses usines en Chine. Toutefois, le porte-parole d'Audi affirme que les pénuries rencontrées n'ont rien à voir avec le coronavirus. On le croit volontiers puisque, selon nos informations, les cellules des batteries de l'e-tron ne sont pas fabriquées en Chine ni même en Corée, mais bien dans l'usine polonaise de LG Chem. Aux dernières nouvelles, Mercedes et Jaguar éprouveraient les mêmes difficultés d'approvisionnement en cellules. Un signe que LG Chem ne parviendrait pas à honorer les cadences de livraison prévues dans les contrats qu'elle a conclus avec certains constructeurs européens. Une tuile dont ceci se serait bien passé, puisqu'en fin d'année, s'ils ne réussissent pas à livrer suffisamment de véhicules électriques pour respecter leur quota d'émissions de CO2 imposé par la directive européenne, ils devront payer des amendes salées. Alors qu'Audi avait initialement planifié la production de 70 000 e-tron cette année, le constructeur a déjà dû revoir cette ambition à la baisse en annonçant que l'objectif avait été réduit à 40 000. Ouf, ah bah dis donc. C'est mal barré hein, pour tous les constructeurs qui misent un peu sur les batteries LG Chem. Bon, mais écoutez, voilà, l'Audi e-tron est à l'arrêt. Suite, il y a eu le Mercedes EQC, le Jaguar I-Pace également, donc et peut-être d'autres modèles, hein, qui sait, à voir. Hein. En tout cas, voilà, c'est pas un très bon signe hein, pour la livraison de rapide de véhicules électriques. Bon, évidemment, les trois cités sont des véhicules très chers, donc au final. Ça, c'est pas des voitures, des Renault, genre Renault Zoé qui se vendent comme des type 1, quoi. Faut aussi relativiser, mais bon, c'est vrai que ça pourrait peut-être mettre en difficulté certains constructeurs comme Jaguar ou Mercedes ou encore Audi. Voilà, bah écoutez, on suivra ça de près, hein, je vous tiendrai au courant de l'évolution. Je vous laisserai gérer. Ciao.